Le drame n'est pas que chacun se mette à aimer à sa façon, cela ne serait pas trop grave. Mais chacun a l'orgueil de penser que sa façon d'aimer est la seule valable. Nous passons beaucoup de temps à essayer de le prouver, à pourfendre celui qui pense différemment. Certains regrettent cette grande diversité, d'autres font n'importe quoi. Nous faisons cela en toute fidélité, considérant que l'obéissance consiste à donner d'abord toutes les raisons que nous avons de ne pas obéir. Nous sommes convaincus que le Saint-Esprit peut aussi inspirer des fidèles, ce qui est vrai. Bien des chrétiens restent perturbés, peut-être d'abord parce qu'ils n'ont pas assez prié. Il nous faut accueillir l'Esprit de Dieu, être disponible pour pouvoir marcher selon la parole, selon ce que Dieu nous demande.